Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette prochaine conférence avec un thème assez intéressant qui, je pense, passionne beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, aujourd'hui, vous êtes presque 20 000 participants aux différentes conférences et à la visite du train tout autour de la France, donc on vous en remercions. C'est assez incroyable de voir qu'il y a autant de monde, autant de professionnels de la petite enfance, parents, grands-parents, étudiants qui se mobilisent pour la bienveillance éducative. Donc on vous en remercie, que vous soyez ici ou dans la voiture conférence. Donc nous avons la chance d'avoir une modératrice parmi nous, donc Gaëlle Garnalec-Lévy, que j'invite à me rejoindre pour se présenter. Merci. Merci Marie-Iris. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Gaëlle Garnalec-Lévy, journaliste, modératrice pour cette journée. Et donc, je suis la fondatrice d'un site d'information qui s'appelle Ginger, avec un Y, G-Y-N-G-E-R. J'ai des petits prospectus là, qui est vraiment destiné aux professionnels de la petite enfance, mais aussi de la protection de l'enfance, la périnatalité, puisque je traite de thématiques qui sont le développement de l'enfant, l'accompagnement à la parentalité et la prévention précoce. Tout cela avec en arrière-plan la lutte contre les inégalités. J'adore ce que ce bébé réagit toujours quand je parle, je pense que c'est très bon signe. Ouais. En plus, il est adorable. Bienvenue. Donc, je parle de toi sur mon site. Et de comment les parents font pour bien accompagner leur bébé, comment les professionnels aident les parents à bien accompagner leur enfant et à lui permettre de réaliser son plein potentiel. Donc, nous allons enchaîner avec Edith Fortin-Muet, qui va nous faire... une conférence sur comment on peut éduquer sans punir, tout un programme. Alors Edith, je vous présente un petit peu. Vous êtes, et c'est impressionnant, la maman de 4 enfants. Vous avez été enseignante pendant 10 ans et vous vous êtes questionnée sur l'émergence de la violence dans les familles, les classes et les équipes professionnelles. Puis vous avez découvert l'approche de Thomas Gordon, et des mouvements d'éducation positive, donc révolution dans votre vie. Depuis, vous accompagnez les couples, les familles, les équipes de professionnels, en développant des ateliers qui visent à améliorer les relations à soi et à l'autre. D'accord ? Et ben, je vous souhaite la bienvenue, bonne conférence, 20-25 minutes, et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange. Donc, je rappelle que vous pouvez envoyer tout au long de la conférence des SMS avec le numéro qui est ici, le 06 37 76 73 84, 06 37 76 73 84. C'est important parce qu'on est notamment suivi par des professionnels, des parents et des étudiants en voiture conférence à la gare. Je les salue chaleureusement. N'hésitez pas de là-bas à nous envoyer vos petites questions, vos remarques, vos réflexions. On les répercutera ici pour qu'Edith puisse y répondre. C'est totalement gratuit, donc il faut y aller. Voilà, je vous remercie, bonne conférence, et puis on se retrouve dans 20-25 minutes pour un temps d'échange. Bonne conférence, Edith. Merci. J'avais 20 ans, et mon cousin en avait 2. Nous étions dans la cour, devant sa maison, sous une belle vigne, pleine de raisins, pas mûrs. Et lui, il avait envie de manger, d'attraper le raisin et de le manger. Alors, il a commencé à monter au poteau de la treille pour attraper le raisin. Et moi, je me suis approchée de lui et je lui ai tapé la main, gentiment, hein, une tape éducative. Et je lui ai dit, non, c'est pas mûr, tu vas être malade. Je l'ai attrapé, fermement mais gentiment, je l'ai attrapé et je l'ai posé par terre. Alors je me souviens de ce moment, c'était mon premier geste à visée éducative. Alors le premier dont je me souviens en tout cas, je m'en souviens particulièrement parce que ça a été un échec. Alors un échec sur toute la ligne. D'abord parce que ça ne l'a pas empêché de recommencer. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, tout de suite, il a recommencé à essayer de manger du raisin pas mûr. Et ensuite, parce que sur le coup, il a été dans une fureur. Une fureur telle qu'il a attrapé son porteur, là, le petit camion à roulette sur lequel il roule, il l'a attrapé, il me l'a lancé dessus. Ça m'a fait mal, j'ai été fâchée.
Je l'ai attrapé. Je l'ai un peu secoué. Et je lui dis non, c'est pas d'accord. Et je confisque ton porteur. J'ai pris le porteur, je l'ai mis dans le placard. Et à ce moment-là, alors oui, j'avais gagné. Mais alors, je me suis sentie nulle. Je me suis sentie impuissante. Une adulte qui prend le pouvoir comme ça sur un enfant de 2 ans, j'étais pas fière. Je mesurais pas encore, à l'époque, à quel point les punitions étaient inutiles et toxiques. Vous êtes nombreux ici, et j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà été puni. Moi. Ouais. Qu'avez-vous ressenti ? Prenez le temps, un instant. Qu'avez-vous ressenti à l'intérieur de vous au moment où vous avez été puni ? Est-ce que vous avez éprouvé des sensations agréables ? Ceux qui ont éprouvé des sensations agréables, lève la main. Non. Est-ce que vous avez éprouvé quelque chose qui ressemblait à de la peur, de la colère, de la honte ? Moi, oui. C'est l'effet des punitions. Et en général, quand on est puni, ces émotions-là ne sont pas accueillies, ne sont pas écoutées, nous ne pouvons pas les exprimer. Or, les émotions que nous ne pouvons pas exprimer restent dans notre corps. Elles activent le circuit du stress, l'amygdale, là, dans notre cerveau. C'est activé. Et comme ça reste dans notre corps, ben, le stress, il reste dans notre corps. Or, quand on est stressé, ça inhibe les fonctions cérébrales supérieures. C'est-à-dire que bah, c'est plus difficile de penser. C'est un peu coupé. Pour un enfant, ça empêche le développement de son cerveau. C'est un problème quand même. Donc il ne peut pas penser et il ne peut pas réfléchir à ce qu'il a fait, bien sûr. Particulièrement un tout petit. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez été puni ? Est-ce que vous vous êtes dit « Oh mince, j'ai fait quelque chose de désagréable pour une personne, comment est-ce que je peux faire pour réparer ?» Qui est-ce qui s'est dit ça ? Ouais, sans surprise. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit quelque chose de négatif sur vous-même, sur la personne qui vous a puni, sur la vie. Peut-être que vous vous êtes dit « Je suis nulle, je ne suis pas capable. » Peut-être que vous vous êtes dit « Alors moi je pense à un prof, ce prof est nul. » Peut-être que vous vous êtes dit « ça ne sert à rien d'essayer, de toute manière, c'est fichu d'avance. » Est-ce que vous vous êtes dit des choses négatives de ce genre-là ? Qui est-ce qui s'est dit quelque chose comme ça ? Moi, oui. Ouais. Et oui, et ces pensées-là, c'est toxique. Ça ne nous aide pas à être de l'avant, ça n'active pas la joie. Alors, il y a ce que vous avez ressenti, ce que vous vous êtes dit, et il y a aussi ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait chouette, 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 je vais réparer ? Non. Est-ce que vous avez essayé de le refaire, mais de manière dissimulée ? Ouais. Est-ce que vous avez essayé de vous venger ? Parce que franchement, c'est pas juste, c'est vous qui avez été puni, mais c'est l'autre qui avait fait la bêtise. Ouais. Hein. Est-ce que vous vous êtes juste refermé comme ça, comme une coquille. Oui, aussi. C'est l'effet des punitions. Mais pire que tout, les punitions sont inutiles parce qu'elles se concentrent sur le comportement de l'enfant. Elles se concentrent sur ses actes, sur le symptôme, pas sur la cause du problème. Et tant que nous n'avons pas résolu la cause, le comportement continuera. Alors celui-là, ou un autre comportement, mais voilà, tant qu'on n'a pas réglé le problème, ça continue. Alors moi, je ne sais pas quel est le problème de l'enfant, parce que ça dépend, etc. Par contre, j'anime des rencontres de parents, j'accompagne des parents, des professionnels, et je partage des clés, des pistes, des astuces, toutes celles que j'ai découvertes avec, pendant que j'étais enseignante et avec mes enfants. Je les partage et j'ai envie d'en partager 3 avec vous.
Alors, c'est rapide, hein, j'avais juste 25 minutes. 20-25 minutes. Les trois pistes que je veux partager avec vous, c'est la première, respirer. La deuxième, s'inspirer. Et la troisième, agir. Respirer. Respirer, c'est prendre une pause. Ça peut être au sens littéral du terme, respirer. Essayez pour voir, prenez une grande expiration et puis une grande inspiration. On se remplit d'air neuf, ça fait du bien. On peut le faire plusieurs fois. Ça contribue à baisser notre stress. Ça contribue à baisser la tension. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut boire un verre d'eau, tranquillement, en conscience. Ça apaise, en plus de nous hydrater. Parce que si ça se trouve, on est stressé juste parce qu'on est déshydraté. On peut aussi aller marcher dehors. On peut aussi bouger. On peut aussi chanter. On peut aussi aller en contact avec la nature. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont nous apaiser. Alors je me souviens, avec mes enfants, j'avais trois petits à l'arrière de la voiture, on avait passé une super journée, alors c'était récurrent, ça arrivait souvent, super journée, avec les copains. On s'amuse bien pendant toute la journée, moi je discute avec les copines. Et puis le retour en voiture, une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture, avec des enfants derrière là, qui se chamaillent, qui se battent, qui se tapent. Alors là, j'ai plusieurs choix. Je peux leur dire « Mais taisez-vous, ça suffit, arrêtez !»« Attention, si vous continuez, si vous arrêtez pas à trois, je vais vous punir !» Bon, ça, j'ai bien vu que ça marchait pas. J'ai même essayé de le faire en m'arrêtant, parce que je me dis « C'est parce que je suis en train de conduire, je suis pas concentrée, ça marche pas plus. » J'ai essayé de les écouter et d'accueillir ce qui se passait pour eux. Ça marchait pas, pour deux raisons. La première, c'est que ce qu'ils vivaient, c'était du stress. La fatigue, c'est pas forcément aidant. Et la deuxième, c'est que j'étais moi-même stressée. Alors pour les accueillir, ça marchait pas non plus. Alors un truc que j'ai trouvé, ça a été de chanter. On l'a vu, le chant, ça aide. Alors chanter une chanson où j'invente les paroles. Chanter, ça m'apaise, moi, parce que ça permet de réguler le souffle. Et une chanson qui parle d'eux. Une chanson qui va les écouter, qui va accueillir ce qui se passe pour eux. Alors ça pouvait donner quelque chose de... Faites pas attention à la qualité du chant, mais ça va donner quelque chose du genre... C'est car il qu'en a marre, c'est car il qu'en a marre, que c'est long ce trajet, que c'est long ce trajet. Il voudrait bien être à la maison, il voudrait bien être à la maison. Oh, que c'est long. Ah bah ça fait du bien. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien pour eux. Et ils disaient, maman, tu me rechantes ma chanson ? Bon, après, il faut quand même assurer quand on est à la maison pour manger, etc., les douches et tout. Mais au moins, pendant le trajet, on ne s'est pas arrêté toutes les 30 secondes, la température n'est pas montée. Et voilà, on a pu arriver à bon port. Donc, respirer. Respirer, c'est aussi prendre le temps de faire le point. Prendre le temps de faire le point sur ce qui se passe pour moi. Est-ce que j'éprouve des sensations agréables ? Est-ce que j'éprouve des sensations désagréables ? Première chose. Ensuite, est-ce que ces sensations désagréables, c'est quoi comme émotion ? Est-ce que c'est plutôt de la peur, de la tristesse, de la colère, de la honte, du dégoût ? Qu'est-ce que je ressens ? Mettre des mots, ça peut m'apaiser, moi aussi. On l'a dit tout à l'heure, ça apaise les enfants, mais ça apaise les adultes aussi. Aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté à la situation présente ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est disproportionné ou un peu décalé ? Si c'est ça, ça vaut le coup que j'aille voir et que je règle plutôt la situation du passé ou cette autre situation, puisque ça vient polluer la situation actuelle. Donc faire le point sur ce qui se passe pour moi, faire le tri. C'est aussi faire le tri sur ce qui se passe dans la relation. Est-ce que je suis dans un moment où moi j'éprouve quelque chose d'agréable, c'est ok pour moi, mais c'est mon enfant qui éprouve quelque chose de désagréable, par exemple, il se réveille, il est en pleurs. Ok, pour moi ça va, pour lui ça va pas. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir quel est son besoin, je vais essayer de le satisfaire.
Ou alors, je vais juste accueillir son émotion. Mais là, c'est quand moi, ça va. Hein. Vous l'avez vu dans la voiture tout à l'heure, ça n'allait pas pour moi. Donc, ce n'est pas une bonne solution à ce moment-là. Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Et mon enfant, tout va bien. C'est bon, il est en train de sauter sur le canapé, il s'éclate. Et juste, moi, c'est juste, non, ça va tout casser, non, tu vas tomber. Bon, dans ma tête. Hein. Et dans ces cas-là, ben, je vais plutôt soit réorienter, soit utiliser ce qu'on appelle le message-jeu avec l'approche Gordon. Je dis réorienter parce que c'est une utilisation du message-jeu spécifique, pour, plus pour les petits. Autre situation possible, est-ce que ben, moi j'éprouve des choses désagréables et mon enfant éprouve des choses désagréables ? Nous avons tous les deux un problème. Nous avons peut-être un conflit. À ce moment-là, ça vaut le coup de le résoudre de manière gagnant-gagnant, de manière à satisfaire mes besoins et ceux de mon enfant. Pour ça, quand ils sont tout petits, on peut leur proposer un choix entre deux choses. Puis quand ils grandissent, on en ajoute un troisième. Peut-être même qu'après, ils pourront eux-mêmes proposer des solutions. Ça s'apprend. Respirer. La première clé. La deuxième clé, s'inspirer. S'inspirer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire des livres, lire des articles, aller voir le train de la petite enfance, regarder les conférences. Ça veut dire participer à des stages, à des ateliers entre parents. Ça veut dire aller rencontrer d'autres parents. Je me souviens avec beaucoup de gratitude du groupe de mamans que nous étions, alors il y avait quelques papas, du groupe de parents que nous étions et de la manière dont nous sommes soutenus. C'était des rencontres régulières avec nos enfants, des rencontres au cours desquelles ben, je montrais le meilleur de moi-même. Ça me stimulait d'être avec d'autres mamans et voilà. Du coup, j'expérimentais des choses super agréables avec mes enfants. Je m'inspirais également du comportement des autres mamans. Ah ouais, ce qu'elle fait, ça me plaît, je vais le reprendre, je vais le tester. Ah non, finalement, ça ne me plaît pas, j'y arrive pas, je vais plutôt prendre ça. Et finalement, c'est ce que je vous invite à faire avec toutes les conférences, les ateliers. Maintenant, il y a beaucoup de ressources autour de l'éducation, de l'enfance, etc. C'est de regarder tout ce qui est possible. Hop. Et puis, au moment où vous en avez besoin, au moment où vous le sentez, eh bien, testez et voyez ce qui vous convient. Créez à partir de ce que vous avez vu. Finalement, l'éducation, ça fait appel à notre créativité. Alors, je me souviens du premier livre que j'ai lu, c'était « Parents efficaces au quotidien » de Thomas Gordon. C'est un livre que je n'ai jamais terminé, en vrai. Et c'était étonnant, j'étais déstabilisée. Il disait qu'il fallait parler de nos sentiments, dire ce qu'on sentait. Alors moi, qu'est-ce que je ressens ? Je ne sais pas. Heureusement, il a dit, ou alors je ne sais plus si à quel point je me souviens et à quel point ma mémoire est défaillante ou pas, mais que 95% des émotions que nous ressentons, c'est de la peur. En tout cas, quand on ne sait pas, on peut dire qu'on a peur. Alors j'ai commencé à dire « j'ai peur ». J'ai commencé à dire « j'ai peur que tu tombes, j'ai peur que, etc. » Et alors là, il s'est passé quelque chose. Ma fille aînée, qui avait 2 ans à l'époque, elle a commencé à dire « j'ai peur ». Waouh ! Mes enfants s'inspirent de moi. Super ! Donc elle, au moins, elle a pris un mot avant moi. Et j'étais instite à cette époque-là. Et puis, j'ai continué à dire « j'ai peur » jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui me dise « Mais maîtresse, pourquoi t'as tout le temps peur ?» Là, je me suis dit « Ça serait bonne idée d'ajouter un deuxième mot à mon vocabulaire émotionnel. » Si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de listes de mots. Je me suis affichée dans mes toilettes. Et j'ai essayé de voir ce que j'arrivais à me mettre en bouche. S'inspirer, c'est ça aussi. Et donc j'avais lu ce livre, j'avais ce groupe de copines, mais j'étais quand même dans une sorte de parentalité bienveillante molle. C'est-à-dire que je ne voulais pas punir,
tout ça, j'écoutais tout ça, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi, même si j'avais encore un petit peu de vocabulaire, j'arrivais pas encore bien à le dire, à le sortir, c'était pas encore super fluide. C'est-à-dire que du coup, c'était un peu mou, et puis juste après, hop, je me transformais en maman furie. C'est le va-et-vient entre permissivité, autoritarisme, permissivité, autoritarisme, c'était à peu près ça. Alors que c'était pas ça que je voulais faire, mais je savais pas comment m'en sortir. Jusqu'au jour où j'ai participé à un stage. À un stage où nous avons fait des jeux de rôle. Et là, ça a été génial. Ça a été génial parce que j'ai pu voir comment ça fait quand on est enfant et qu'il y a un adulte, une personne, qui dit les choses, qui dit ce qui se passe pour elle, qui décrit mon comportement, qui décrit ce qui se passe pour elle, qui me dit l'impact que ça a sur elle, mon comportement. Waouh ! Alors, c'est pas très agréable, hein ? Mais ça me donnait envie de coopérer, ça me donnait envie de... Ça débloquait quelque chose à l'intérieur de moi, surtout si cette personne m'écoutait derrière. Et donc, c'est en faisant ce stage, et en expérimentant moi aussi, en pouvant m'entraîner à dire les choses, que j'ai réussi à me le mettre dans la bouche, à me le mettre dans le corps, à l'incarner. Et là, ça a changé. Alors bon, des fois, je verse encore dans la parentalité bienveillante molle. Ça arrive encore, même avec les années d'expérience que j'ai. Mais quand même, ça a changé les choses. Donc j'ai dit, respirer, s'inspirer et agir. Alors agir, on peut faire plusieurs types d'actions. Celles que j'ai envie de partager avec vous, ce sont celles qui vont contribuer à agrandir la zone dans laquelle c'est confortable pour moi et c'est confortable pour mon enfant. La zone dans laquelle on éprouve de la joie. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les petites vidéos, ça permet de construire beaucoup de choses, c'est comme ça qu'on apprend. Mais aussi, ça contribue à renforcer le lien parent-enfant. Voilà pourquoi je vous partage ces pistes-là. Parce que souvent, en tant que parent, on veut plutôt apprendre à s'exprimer pour qui coopère, on veut plutôt apprendre à résoudre les conflits. Commençons d'abord par agrandir la zone sans problème. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons aménager l'environnement. Aménager l'environnement, ça veut dire, par exemple, aménager l'espace. C'est sûr que si j'ai enlevé tous mes bibelots, toutes mes choses précieuses, je peux laisser mon enfant explorer sans avoir à lui dire « Non, stop, ça suffit pas par là, non, pas ça, touche pas ça, non !» C'est beaucoup moins stressant pour moi, beaucoup moins stressant pour lui ou pour elle. Ça paraît évident, mais des fois, ça vaut le coup de se reposer la question. Est-ce que l'environnement est vraiment adapté ? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour améliorer l'environnement, l'espace ? Ça veut aussi dire aménager le temps. Aménager le temps, ça veut dire quoi ? Prévoir suffisamment de temps pour que l'enfant puisse bouger, pour que l'enfant puisse être dehors, au contact de la nature. Parce que ça, il en a besoin. Si on le prive de contact avec la nature, si on le prive de bouger, il va être en stress. Et alors là, la crise de panique le soir, je ne vous raconte pas. C'est, prévoir ce temps-là, c'est vraiment essentiel. Donc, ça dépend de l'organisation de chacun, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de ses préférences, etc. Mais en étant parent, en étant professionnel de l'enfance, on peut observer ce qui se passe et se dire « Ah ok, tiens, là j'aurais pu aménager les choses. Là, pour la prochaine fois, je pourrais améliorer ça. » Donc aménager l'environnement. Ce que nous pouvons faire également, c'est remplir le réservoir de notre enfant. Pour remplir le réservoir de notre enfant, nous avons plusieurs possibilités. Une des possibilités, ça a été dit dans les vidéos tout à l'heure, le jeu, le chant. Ça va contribuer à remplir le réservoir affectif de l'enfant. Nous pouvons aussi lui apporter du contact. Il y a plusieurs façons d'apporter du contact. Une façon, c'est le contact physique. Donc à chaque fois que nous portons notre enfant, c'est un contact physique. À chaque fois que nous jouons avec, c'est un contact physique. Ça peut être tout simplement un câlin. Ça peut être un massage. Il n'y a pas besoin d'être un pro du massage pour faire un massage. Hein. Il suffit juste de toucher et
d'être plutôt dans l'échange et dans le plaisir partagé. Ça peut aussi être regarder notre enfant. Le regarder quand il saute et là dire « Waouh, t'as sauté loin !» Le regarder quand il marche, quand elle marche sur la poutre. « Oh, tu marches sur la poutre !» Le regarder quand il saute. « Waouh, quel plaisir de sauter !» On peut mettre des mots sur ce qu'on imagine, ce qui se passe dans son corps. On peut mettre des mots sur ce que ça nous fait. On peut observer ses productions. « Oh, tiens, là, t'as utilisé les feutres pour faire ce dessin. T'as fait des ronds, des traits, des points. T'as mis du rouge et du violet. » On peut dire ça. On peut aussi dire « Waouh, j'aime beaucoup ce dessin. Ça me plaît beaucoup de voir toutes ces couleurs-là et la manière dont tu les as installées sur la feuille. » Donner du contact, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui fait que l'enfant va se sentir important. Ça construit vraiment les confiances. Donner du contact, c'est aussi prendre le temps de dire à notre enfant tout ce que nous éprouvons vis-à-vis de lui, tout ce que nous éprouvons d'agréable vis-à-vis de lui. On peut aussi dire tout ce qui est désagréable, mais là, je suis plutôt sur remplir le réservoir. Par exemple, j'aime être avec toi, j'aime jouer avec toi, j'aime faire la cuisine avec toi, j'aime te voir sauter. J'ai du plaisir à être avec toi. Je suis heureux que tu sois dans cette famille. Je suis heureuse que tu sois dans notre famille. Tout ce genre de choses-là, ça fait du bien à entendre. Et les enfants en ont besoin. Nous, enfants, souvent, nous ne l'avons pas suffisamment entendu. Donc j'ai dit donner du contact. J'ai dit aménager l'environnement. C'est vivant ici, oui. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Quel monde voulons-nous demain ? Quel monde voulons-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous voulons un monde où les choses se règlent par la force ? Où nous subissons notre vie plutôt que de la créer ? Comme avec les punitions ? Nous pouvons choisir une autre voie, nous pouvons nous former, nous pouvons rencontrer d'autres parents, nous pouvons respirer, nous inspirer et nous pouvons agir. S'il y a trois choses que je veux que vous reteniez, c'est vraiment celle-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edith. Merci parce que d'abord vous avez respecté le temps au cordeau, c'est ça d'abord, pour moi c'est génial, parce que je suis la gardienne du temps, donc vous me facilitez la tâche. Avec merci plaisir. Parce que c'était très vivant, puis bon, vous faites votre présentation sans PowerPoint, comme ça, je trouve que c'est assez courageux, et ça témoigne aussi d'un vrai savoir-faire et d'une vraie expertise. Merci. Donc, je pense que c'est important de le saluer. Il se trouve qu'on a reçu pas mal de questions par SMS, donc... Je vais vous les livrer. Je ne sais pas si ce sont des questions qui viennent de la salle ici ou de la voiture conférence. Hop là. Alors, donc quelqu'un vous demande s'il est possible de préciser quel est le message de Gordon que vous réorientez. Et comme il y a une autre question derrière qui était « qu'est-ce que le message je ?», je pense que les deux questions se recoupent. Ça va ensemble, oui. Et c'est vrai, j'ai oublié de la réorientation. J'ai oublié d'en parler. Réorienter, c'est par exemple un enfant qui saute sur le canapé. Vous le voyez cet enfant. Vous imaginez la joie qu'il peut éprouver à sauter, quel plaisir. Un message je, ça serait de lui dire... Je. Message moi, enfin message je parle de moi. C'est effectivement, je vais parler de moi. Je vais décrire le comportement. Par exemple, tu sautes sur le canapé. Et après, je vais dire ce qui se passe pour moi. J'ai peur que tu tombes ou j'ai peur que ça abîme le canapé. Et ensuite, je vais parler de l'impact concret sur moi. Et du coup, il va falloir que je répare la housse ou que je rachète un autre canapé. Et ça, ça ne me plaît pas des masses. Ça, c'est le message jeu. Sauf que si je dis ça à un tout petit, ça va lui passer au-dessus. C'est important, et c'est important de faire le point pour nous au moment de respirer. C'est de faire le point sur ce message jeu, parce que c'est ce qui va ancrer notre posture, même avec un tout petit. Avec un petit, on peut lui... Alors, c'est pas forcément à cet âge-là qu'ils ont envie de sauter sur le canapé.
Et encore. Ils peuvent monter dessus. Ça va être, waouh, c'est super, tu sautes sur le canapé. Enfin, non, c'est peut-être pas super, tu sautes sur le canapé. Waouh, ça a l'air génial de sauter sur le canapé. Donc, déjà, je vais écouter et mettre des mots sur ce qu'il vit. Et moi, c'est pas OK pour moi que tu sautes sur le canapé. Alors, éventuellement, je peux faire le grand message-jeu, ça dépend de l'âge. Et je vais lui dire, regarde, tu peux sauter là. Et alors là, je mets un trampoline, je mets un coussin, je mets un matelas, et là, ça va être top, quoi. Et surtout si je saute avec lui. Voilà, méga top. Méga plaisir. D'accord. OK, bah, je pense que maintenant, c'est plus clair, le message-jeu et comment on réoriente. Mmh. Alors, ensuite... C'est pas tant une question qu'une réflexion, et c'est intéressant. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est la culpabilisation que cette nouvelle vague de la parentalité positive implique chez les parents qui font de leur mieux, mais parfois n'en peuvent juste plus avec le quotidien et n'arrivent pas toujours à mettre tout ça en pratique. Mmh. C'est intéressant, puisqu'on a vu monter un petit peu... un contre-courant, je me souviens d'un article de blog d'une blogueuse, je crois de mémoire, qui s'appelle Shiva Mama, et qui a écrit un article cet été qui était « Le jour où la parentalité positive m'a gonflée ». Voilà, donc le message était assez clair, hein, c'était pas un message jeu, c'était un message assez clair. Donc on sent monter effectivement cette réaction de dire bah, « Vous êtes bien gentil avec tout ça, mais enfin moi le quotidien c'est pas facile ». Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces critiques-là ? Bah oui, c'est pas facile hein, le quotidien. C'est pas facile, c'est stressant de vivre avec un enfant. Nous avons besoin de soutien. Nous pouvons trouver du soutien des fois avec nos compagnons, nos compagnes, des fois avec notre entourage, nos parents, des amis. Nous avons vraiment besoin de soutien. Et ouais, c'est épuisant. Pour autant, c'est vrai que quand j'ai commencé, ben j'ai baragouiné, je faisais de mon mieux, etc. Je fais toujours de mon mieux. Il y a toujours des moments où je me transforme en maman furie. Ça arrive toujours. Mais c'est... Au début, on apprend un langage. Et quand on apprend un langage, une nouvelle culture, une nouvelle manière d'être, on arrive dans un pays étranger, on se dit « Oh, c'est bizarre, ils font ça comme ça, pourquoi ils font ça ?» C'est pas facile. C'est pas facile, on essaye, puis ça marche pas, on réessaye, ça marche pas. Et en persévérant, en s'entourant de personnes qui vont dans le même sens, le sens de la parentalité positive, on peut se soutenir. On va essayer d'éviter de se juger, on va essayer de se soutenir, de dire ce qui se passe pour nous. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure d'apprendre, de réussir à baragouiner, on va réussir à parler et on va adopter toute la culture, l'ensemble de sa culture. C'est vrai que c'est épuisant. Alors moi, je voudrais juste préciser que c'est vrai que le grand public connaît en général la parentalité positive à partir des mouvements comme le vôtre ou des ateliers, des mouvements de coaching qui sont censés s'adresser à tous les parents. La parentalité positive, c'est aussi quelque chose qui est très étudié, qui fait l'objet de recherches scientifiques. Et notamment, ce qui est intéressant de relever, c'est que la parentalité positive, c'est au cœur des programmes qui sont testés notamment dans les pays anglo-saxons, qui sont les programmes d'intervention précoce auprès notamment de populations qui sont en difficulté. Alors ça peut être, souvent, ce sont des difficultés d'ordre psychosocial, donc des familles de milieux défavorisés ou des familles chez lesquelles il y a des enfants qui ont des troubles du comportement. Et quand on met en place des programmes d'intervention précoce, quand je parle de programmes d'intervention, ce sont des programmes qui sont extrêmement protocolisés, très standardisés et avec de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on, et on évalue quoi ? On évalue d'un côté les pratiques parentales et de l'autre côté le développement de l'enfant. Et ces programmes en général montrent quoi ? Ben, montrent que c'est extrêmement positif pour le développement de l'enfant. Et on n'a pas cette notion-là en général chez nous en France. C'est pas pour les populations défavorisées qu'on met en place cette parentalité positive. Ça s'adresse plutôt aux gens qui vont aller chercher l'information, qui vont faire la démarche d'aller s'inscrire aux ateliers. Mais je voulais le préciser parce qu'on méconnaît très, très souvent cet aspect-là de ce qu'on appelle, et la parentalité positive, c'est quelque chose de finalement assez large, qui peut regrouper plusieurs principes. L'idée, c'est d'essayer de faire baisser le stress, dans la famille, pour l'enfant, mais aussi pour nous. Et c'est vrai que quand on est en situation psychosociale difficile, ça ajoute du stress. Déjà, c'est stressant d'être parent. Mais si en plus, on est limité en argent, mais si en plus, il y a ça et ça qui se passe, ça devient vraiment compliqué. On a besoin de soutien. Et il existe des centres sociaux, il existe des... Il y a des ateliers qui peuvent être financés par les institutions. Et c'est vrai que ça peut s'adresser du coup à vraiment toutes sortes de publics.
Alors, nous n'avons pas d'autres questions ou réflexions. En revanche, je peux tout à fait me promener parmi vous avec le micro. Ah ben super, attendez madame, je vais vous donner le micro. Merci. Par rapport à la parentalité positive et par rapport à cette espèce de sentiment de culpabilité, oui. J'ai envie de dire, oui, c'est difficile. Oui, on tâtonne. Moi, je sais, c'est mon premier, donc je suis encore en plein dans le tâtonnement. Mais au final, comme vous dites, on s'enlève du stress. Et s'enlever du stress, c'est aussi se faciliter la vie pour après. Ses relations avec ses enfants qui vont être moins conflictuelles. C'est... Alors, ça arrive à tout le monde de se planter. Et c'est pas grave. Hein. Et puis, les parents ont le droit de se planter. Et les enfants, c'est bien aussi qu'ils sachent que les parents ont le droit de se planter. Hein, parce que le parent n'est pas non plus tout puissant. Tout... Voilà, ça lui arrive de se tromper. Et du coup, l'enfant acceptera mieux aussi par la suite les erreurs des parents et les parents de se remettre en question. Donc, c'est pas facile, mais ça peut être que positif d'essayer. Ce qui compte, éventuellement, si je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui n'était pas OK, c'est important de m'en rendre compte. Hein. C'est éventuellement de retourner voir l'enfant et lui dire « Ouais, j'ai fait ça. » Et c'était pas OK. Et je me rends compte que chacun de mes enfants, chacun à leur manière, si moi je vais pas les voir, maintenant c'est eux qui viennent me voir, et je me souviens, il y a 2 jours, j'ai piqué une crise parce qu'il y avait la chienne qui tirait sur ma jupe, qui me mordait les mollets, j'en avais marre, j'avais juste envie de lui donner un grand coup de pied, je suis pas d'accord pour taper les animaux non plus. Et du coup j'ai dit, j'en ai marre, je veux plus de la chienne, et tout ça. Et ils ont eu peur, mes enfants. Ils étaient pas d'accord qu'on ait plus la chienne. Alors, le petit qui a 4 ans et demi, il est venu me voir, il me dit « Mais maman, tu as dit que tu voulais plus la chienne, est-ce que c'est vrai ?» Et je dis « Non, c'est pas vrai, c'est juste j'étais en colère et j'ai pas su gérer. » Et tu as eu peur quand j'ai dit ça. Et du coup, on rétablit, on remet les choses là où c'était bloqué, on remet en mouvement. Et c'est ça qui est important. Parce que oui, bien sûr, ça nous arrive. Alors, on a reçu d'autres questions entre-temps, ça arrive par petites vagues. Alors, comment faire quand le conjoint ne partage pas la parentalité positive et quand à 3 ans, l'enfant s'affirme très fortement, refuse d'obéir comme le papa voudrait? Quand la colère monte du papa, il crie, l'enfant crie encore plus. Être l'intermédiaire pour exprimer les émotions du papa à l'enfant, est-ce la bonne solution pour ne pas perdre confiance et continuer? Quels sont vos conseils? Merci. C'est difficile quand on n'est pas d'accord dans le couple. Oui, c'est difficile et oui, ça amène des conflits dans le couple et ça fait monter le stress de tous les côtés. C'est pas facile. Alors, je sais pas si j'ai des conseils. Mon rôle, c'est pas tellement de donner des conseils, c'est plutôt de donner des informations, des clés, des pistes. Une piste possible, ça peut être de l'inviter à aller à un atelier. Peut-être que, voilà, ça marche pas toujours. Peut-être ça peut être... de respirer un coup et de voir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Respirer. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que ça active quelque chose de mon passé ou pas? Si oui, je peux le traiter. Déjà, hop, on enlèvera un problème. Ça peut être, ok, je mets mon enfant en sécurité, je fais en sorte que ça se passe bien et je prends un temps pour échanger avec mon compagnon, avec ma compagne. Pour l'écouter. Pour capter ce qui se passe vraiment pour lui, ce qui se passe vraiment pour elle. Pour baisser son stress. Alors ouais, ça semble pas juste. Hein. C'est moi qui fais les ateliers, c'est moi qui dois m'occuper des enfants, et c'est moi qui dois en plus m'occuper de mon compagnon ou de ma compagne. Pfff. En même temps, c'est une clé qui est vraiment puissante. Merci Edith. Alors ensuite... Ah. Un témoignage super. Un homme témoigne, alors là on est ravis. Bonjour, merci. En fait, voilà, il y a un an, c'était oui, presque au mois de novembre, j'ai 2 enfants, hein, je témoigne en tant que papa. Oui, si vous voulez. Waouh. Alors, j'accompagne mon fils pour faire le câlin du soir. Et ce soir-là, il me dit, papa, pourquoi tu es si méchant en ce moment ? Et effectivement, moi je criais beaucoup, ça faisait 2 ans que ça n'allait pas trop dans ma vie, parce que professionnellement, j'avais des soucis, j'étais pas dispo, j'étais pas là.
au bon moment. Et je m'énervais très vite. Et je lui ai expliqué donc qu'effectivement, j'avais des soucis, que ce n'était pas son problème à lui, que je m'excusais d'être comme ça. Bon. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas satisfait de la parentalité que j'avais avec mes enfants. J'ai un garçon de 9 ans et une petite fille de 5 ans. Et ma femme était super open là-dessus. Et moi, je pensais que j'étais vraiment un super papa. Et en fait, elle devait faire un atelier. Alors, l'équivalent de ce que vous avez fait, j'imagine, c'est la méthode Faber et Maslitch. Ce sont des ateliers par an. Elle était inscrite, c'était au mois de janvier cette année. Et elle ne pouvait pas y aller. Alors, c'est moi qui suis allé, tout simplement. Et là, vraiment, ça a été génial parce qu'il y a à la fois des groupes de parents, hein, groupes de parole, donc on partage, on a tous les mêmes problèmes. Et puis là, j'ai pris conscience, et j'insiste sur le mot prise de conscience, parce que la prise de conscience, que c'est un travail sur soi avant tout, quelles que soient les méthodes, les techniques, il y en a plein. Aujourd'hui, ça bouge, hein, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de parentalité positive, ça se cristallise par des mecs sur la communication non violente, sur Gordon, Faber et Maslitch. Il y a des chercheurs scientifiquement aujourd'hui, entre Madame Guéguen, Madame Filiosa, on sait que voilà, la violence, que punir, ça ne marche plus. On sait que le cerveau d'un enfant aussi, à partir d'un certain âge, il n'est pas équipé pour comprendre. Donc ça ne sert à rien de crier ou de répéter 50 000 fois le truc. Donc voilà, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a tellement à dire, ça touche tellement de sujets qu'il y a des solutions. Mais encore une fois, je crois que c'est la prise de conscience du travail sur soi pour déculpabiliser aussi. Parlons-en, on a l'éducation qu'on a eue parce que nos parents étaient des modèles pour nous. Nous sommes des modèles aussi pour nos enfants. Moi, j'en avais marre de crier, j'en avais marre de gueuler à la maison, donc, et de leur dire arrête de crier, en leur hurlant dessus. Quoi. Donc, oui, donc voilà, fréquent. C'est un chemin d'accompagner un enfant comme ça. Et oser regarder de face nos incohérences, oser les regarder, c'est courageux. Ça demande du courage. Et en même temps, ça fait tellement de bien. Ouais, et si je puis terminer. Ce que j'ai compris très récemment, parce que ça n'allait pas dans ma vie à côté de ça, et j'ai arrêté de bosser au mois de juin pour prendre le temps de prendre le temps. J'ai fait aussi de la méditation, j'ai fait plein de trucs qui, aujourd'hui, toutes les pièces du puzzle, j'ai l'impression, se mettent en place. Et ce que je comprends vraiment, c'est que le fait de prendre conscience, ça permet de comprendre la situation, d'accepter, le troisième point, comment on est. En fonction de l'éducation qu'on a eue et tout ça. De pardonner éventuellement, de pardonner à ses parents ou à soi-même. Bon, voilà, on n'est pas parfait, il faut l'accepter. Et l'idée, c'est de vouloir progresser et d'avancer. Et dernière chose, tout ça, même si je sais que je n'ai pas été un super papa alors que je pensais l'être, ben je m'améliore. Et j'ai la gratitude avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent parce que c'est mon parcours. Et j'essaie de progresser. C'est pas être parfait, c'est faire comme on peut en essayant de pas reproduire des trucs. Voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur. Oui. Je ne sais pas si vous avez repris une activité professionnelle, mais en tout cas, vous avez une voie de reconversion possible. Hein. C'était un super duo. Et vous avez bien compris, bien intégré le travail de vulgarisation de Catherine Guéguen et d'Isabelle Filiosa. Donc, et vous le diffusez, vous le partagez, c'est formidable. Donc vous êtes un ambassadeur de la connaissance, c'est très bien, c'est un peu aussi ce qu'on demande aux gens qui viennent ici aux conférences, c'est ensuite de diffuser autour. Donc vous avez tout compris, hein, je suis ravie, c'est super, très bonne intervention. Edith, j'ai d'autres questions. Alors okay. Je vais peut-être pas toutes les transmettre parce qu'on va manquer de temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc merci pour cette intervention. Étudiante éducatrice de jeunes enfants ayant déjà observé ces pratiques en crèche, que pensez-vous des coussins ou espaces scolaires alternatifs à la punition? C'est vrai que c'est quelque chose qui se diffuse pas mal dans les EAJE. C'est-à-dire que quand... ce qu'elle veut dire, c'est que quand... On va taper sur le coussin. En tant qu'adulte, je suis en colère, je n'ai pas envie de punir, je vais taper sur un coussin. Non, l'enfant. Ça serait une bonne idée, ça. Parce que finalement, quand je punis, c'est que moi, j'ai un problème. Ok. Ça vaut le coup si c'est de la colère que j'éprouve. D'aller taper sur un coussin. Ça vaut le coup de proposer ces espaces-là aux enfants, des espaces pour décompresser, si nous, adultes, nous les utilisons.
D'accord. Ça marche beaucoup mieux. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être toutes sortes de choses, un endroit où c'est possible de retrouver son calme. D'accord. C'est plus facile quand je suis accompagnée par un adulte. Quels sont les livres ou sites qui, pour vous, résument le mieux la parentalité positive ? Vous avez donné beaucoup de références avec le train, je pense qu'il y en a, c'est quand même pas mal. Bah oui. Oui, sur le train, il y a beaucoup de choses. C'est une bonne source documentaire sur le site, hein, sur le train, le site du train de la petite enfance, le site de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Quand j'anime des ateliers, j'aime beaucoup apporter des livres de plusieurs auteurs, de manière à ce que chacun puisse se faire une idée et voir. Et du coup, ça donne l'occasion éventuellement d'en parler. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend des... Et on retrouve aussi beaucoup d'ouvrages, notamment les ouvrages d'Isabelle Filiosa, de Catherine Dumontel-Crémer, sur le lieu de la librairie solidaire qui se trouve à quai, à la gare, là où est le train, aujourd'hui, toute la journée, pour ceux qui sont à Toulouse. À la librairie solidaire, vous pouvez acheter les livres qui vulgarisent très bien les grands principes de l'éducation, de la parentalité positive. Oui. Et moi, j'aime particulièrement les livres qui s'adressent aux enfants. J'ai récemment fait lire à mon compagnon le livre sur la colère des Cahiers Filiosa, et il a compris des choses. et ça améliore notre quotidien, donc c'est chouette. Alors je vous transmets une autre petite question. Je suis pas sûre que vous pourrez y répondre. Vous pourrez peut-être donner des pistes. Comment restaurer le lien avec son enfant quand la communication est rompue? Ça vaut le coup d'aller voir un professionnel si c'est vraiment rompu. Ça vaut le coup de faire un atelier. Là, c'est vrai que c'est difficile de répondre. Qu'est-ce qui est la cause de la rupture de lien? Il y a plusieurs choses. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se faire accompagner. Ça vaut le coup d'échanger avec d'autres parents, de pas rester seul, quoi. Alors là, j'ai une question qui est intéressante. Plus les parents stressent, plus les enfants ont de la colère en eux. En tant que les enfants ont du stress en eux. Oui. En tant que professionnel de la petite enfance, c'est indélicat et mal placé de dire aux parents qu'est-ce qui vous chagrine autant. Cela dépasse les limites professionnelles qui s'installent tacitement lors d'une garde d'enfants. Comment faire passer le message délicatement? Ce sera intéressant si on a des professionnels dans la salle, et je sais qu'on en a, peut-être qu'elles s'expriment sur cette question-là, parce que c'est toute la question de l'accompagnement à la parentalité par les professionnels en petite enfance, et ça fait partie de leur mission. C'est difficile. J'anime des formations pour les professionnels pour accompagner les parents, et on a plusieurs jours de formation pour ça. Plusieurs jours pour faire des jeux de rôle, etc. Et c'est vrai que si un parent est stressé, ça sert à rien de lui dire ça va pas comme vous faites. Ça marche pas, ça peut pas passer. D'abord l'aider à baisser le stress. Mais je trouve ça intéressant que la professionnelle dise, elle est peut-être ici dans la salle, d'ailleurs je sais pas si elle est ici ou dans la voiture conférence, c'est intéressant qu'elle dise que c'est indélicat de poser la question aux parents, qu'est-ce qui vous chagrine autant? Est-ce que c'est... Alors déjà, s'ils stressent, c'est pas du chagrin. Si stress, c'est pas du chagrin, c'est du stress. Et peut-être que s'il stresse, déjà lui dire quelque chose comme « on dirait que vous avez une journée difficile ». Déjà, si c'est au retour, ou une nuit difficile si c'est à l'arrivée, ça aide. Déjà ça aide. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir sur ce sujet. Allez-y, madame. Oui, donc moi je suis auxiliaire de puériculture, et ce que j'ai remarqué, c'est que certes des fois il y a des situations le soir, le parent a passé une mauvaise journée, il accueille son enfant de façon peut-être indélicate, et moi j'essaye de dire c'est soit il a envie de faire un câlin ou voilà, mais après sinon il y a des moments, comme il y a des enfants, il y a des moments où ils apprennent, et bien les parents, il y a des moments où ils peuvent accueillir les choses, et il y a des jours où voilà, donc attendre un autre jour où il est détendu, et là amener la discussion, et c'est ces jours-là où que les parents vont, enfin moi j'ai des parents qui ont fondu en larmes parce qu'ils disent ben là j'en peux plus, j'ai du boulot, je n'y arrive plus, enfin voilà, il faut qu'ils soient réceptifs et être sensible à ça. Merci, merci madame. En tant que parent, ça vaut carrément le coup de prendre 5 minutes avant de récupérer l'enfant à la crèche, avant de le récupérer à l'école, pour respirer. Respirer dans tous les sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour être disponible pour l'enfant. Mais c'est vrai que la vie de parent, c'est stressant. Je crois qu'on va remercier maintenant très chaleureusement Edith, qui s'est bien prêtée au jeu des questions-réponses. Merci.
Merci beaucoup. On s'interrompt maintenant parce qu'il faut un petit temps, notamment pour permettre aux gens qui sont en voiture conférence, de ceux qui ne sont pas inscrits à la prochaine conférence, de quitter la salle pour pouvoir laisser la place aux autres. Et c'est très important de respecter ça pour que les gens qui se sont inscrits puissent vraiment assister à leur conférence. Voilà, donc c'est important que tout le monde joue le jeu. Merci Edith. Et donc, ceux qui sont sur place, là, dans le train, vous pouvez tout à fait prolonger tout ce qu'on vient d'expliquer sur place dans les différentes voitures et puis auprès de nos partenaires qui sont sur le quai, notamment la librairie solidaire.